I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor. Fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Salut à tous et bienvenue sur IGF Family, je suis Frost et nous voici sur Darkest Dungeon. J'espère que vous avez lu tout le texte, j'ai pas tout. Appuyez. Nous sommes sur la version 1.0.0.5 avec l'extension, avec toutes les extensions sorties, donc Crimson Dungeon, Crimson Court. Système de quartier amiré vraiment et construisant nana. Flagellant avec la classe du flagellant et du brise-bouclier. On active tout. Même si j'ai pas envie d'activer la Crimson courte. J'ai pas trop envie de m'y attacher encore, mais bon, allez, on va faire. Adieu, tout en restant complexe, seront ajustés pour être plus rapide et plus indulgente que le mode normal recommandé si vous êtes la première 3. Paramètres par défaut, même qu'il n'y ait pas de... Ténébreux. Comment c'est? On va se faire déchirer. Normalement, je vous ai laissé la cinématique du début. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road. And on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. Des brigands, des fantômes. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Et nous trouverons notre rédemption au bout de la route. L'ancienne route, avec la diligence détruite et le gardien disparu, vous aurez à faire le voyage vers le hameau à pied. Non! Je vous préviens, j'y ai déjà joué au jeu, à la version normale du jeu déjà,
Sur PS Vita, tout ça, PS Vita, un peu de PC, tout ça. Je suis nul. Je vous le dis direct, hein. C'est juste que voilà, je voulais vous tourner un truc, je m'emmerdais. Il est 23h du soir, on est samedi soir, il n'y a rien à la télé. Je savais pas à quoi jouer, il n'y a personne de connecté pour jouer avec moi à Monster Hunter ou quoi que ce soit. Et ben je me suis dit, on fait du Darkest Dungeon, il est installé. Oui, pourquoi pas? Sinon, il y avait du Darwin Project, mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Et ouais, ce sera pour une autre vidéo, ça. Bon, nous avons un croisé. Alors, naviguer sur là. Vous êtes dans la pi... dans, dans... Vous êtes dans pièce, donc dans une pièce. Vous allez vers une autre pièce. Utilisez le stick analogique droit pour choisir votre destination sur la carte. Cela vous conduira au couloir qui y mène. Je vais pour fermer cette fenêtre. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Déplacement dans le couloir. Quand vous vous trouvez dans un couloir, utilisez le stick analogique gauche pour avancer ou reculer. Start. Option. Audio. Non. Sous-titres. Activé. Ah mais non. Sous-titres. En haut. Voilà. C'est en bas, il y a trop de choses. On va avancer. Dispatch this Venez ce voyou avec brutalité. Fashion, that all may hear of your arrival. Tous entendent parler de votre arrivée. Ça arrive. Tuez l'ennemi. Le combat est au tour par tour. Lorsque c'est le tour de votre héros, choisissez une icône de compétence puce. Si vous ne pouvez pas sélectionner une compétence préférée, c'est parce que la position du héros n'est pas adaptée ou qu'il n'y a aucune cible valide. Passez sur la compétence pour voir les conditions. Donc là, nous avons le bandit qui a couvre-veine. Ah, ou mitraille. Mitraille qui fait moins 60% de dégâts critiques, moins 7% de critiques aussi, moins 60% de dégâts. Précision de base 80, ça se fait des dégâts de saignement, moins 6, il a résisté au saignement, voilà, il a résisté au saignement. Là on a châtiment, ah il a esquivé le châtiment, il va me mettre à coup. Ah il est super, ce bandit de l'amour qui prévoit déjà les choses, le mitraille, ah je t'ai étourdi, ah il a résisté à la... Ah, ça fait mal, j'ai dû mettre un coup. C'est pour faire mal. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Butin, chaque objet ramassé prend de la place dans votre inventaire. Maintenez la gâchette gauche et utilisez le stick analogique gauche pour voir les détails de ces objets. Ça marche aussi dans l'inventaire. Appuyez sur B. On va prendre l'argent et la nourriture, vous voyez. On va continuer notre route. Éléments interactifs, curiosité. En explorant, vous trouverez souvent des objets interactifs. Appuyez sur la touche A pour les examiner avec le héros actif. Jetez donc un œil à cette tente. Appuyez sur la touche B pour fermer. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Super. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind On a le is chef no des bandits. Longer welcome. Ah, il a quoi comme capacité? Précision gelée, précision. Étourdissant. Ouh, le critique sur le chef, c'est bon ça. Écrasé par la justice. Plus de fouet. Monstre. Ah, il saigne mon personnage. Passe à plus de sens. Plus de sens. Mitraille. Ça touche tout le monde, c'est cool. Esquive. Pour
prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Cadavre. La plupart des monstres laissent un cadavre en mourant. Celui-ci agit temporairement comme un obstacle et finit par disparaître tout seul. Vous pouvez attaquer les cadavres pour les détruire plus vite, mais il est souvent plus judicieux d'utiliser des compétences d'attaque à distance, de déplacement ou même certaines compétences spéciales qui permettent d'éliminer les cadavres. Les monstres tués avec saignement, infection ou par un coup critique ne laissent pas de cadavres. Ah, il a esquivé mon tir de pistolet. Mal. Tellement de sang. Super suppression. Ah, esquive. Ah, mon paladin, il bouffe. Hein. Pas fier. Je saigne. Ouais, je sais. On a supprimé le cadavre. Il est au corps à corps. Il est battu. Their formation is broken. Maintain the offensive. Alors vous trouvez du jade, un contrat, de l'or et des blasons. On va tout prendre. Et de l'argent. Accomplir une quête. Après avoir accompli les exigences d'une quête, vous aurez l'option de retourner en ville à tout moment en appuyant sur le stick analogique droit. Vous n'avez pas besoin de revenir dans la pièce de départ du donjon pour sortir. Appuyez sur B pour quitter. Restez. Il y a un coffre. Il est piégé. Infection. On rentre à mort. La pas du gars, j'aurais pas dû faire la pas du gars. Ah là là. Bon. Nous avons récupéré 5000. Alors, réponse en base de 5000. Trésors collectés. Ah mince. Alors, le croisé a une frénésie pour l'argent. Est devenu cupide. C'est la cible des bêtes. Donc, je fais plus de dégâts aux bêtes. Et le roublard. Enfin, le voleur. Ah, c'est un voleur, bref. Interdit de méditation en ville, donc esprit torturé, donc il n'a pas le droit de méditer en ville. Et il fait plus 1 de critique. Nous voici au hameau. Mais le hameau détruit. Ça, c'est pas la vraie couleur de l'hameau, je crois. Enfin, c'est la ville devant le hameau, je sais plus. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands. They are yours now, and you are bound to them. D'accord. Non. Non. Oula, objectif est terminé avec succès votre première incursion dans une battle apprenti, prophète. Là, blablabla. Ok. Il y a beaucoup trop de quêtes. Beaucoup trop de quêtes. Alors, obtenez de l'aide où vous pouvez. Sur n'importe quel écran du jeu, appuyez sur affichage pour voir l'aide contextuelle. Essayez ceci lorsque vous êtes en ville, en train d'explorer, en train de camper sûrement, et pas de train de camper, et plus encore. Ça, c'est... D'accord. Voilà. Women and men, soldiers and outlaws. Fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. D'accord. La diligence est vitale en tant que source de héros. Vous aurez besoin de recruter tous ces héros pour créer un groupe de 4. Choisissez chaque héros avec le stick analogique gauche et la touche A. Puis utilisez-les une nouvelle fois pour placer le héros dans votre liste d'équipiers sur la droite. Donc, un médecin de peste et une vestale. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? Améliorer le réseau de diligence. Pendant que vous êtes là, utilisez quelques-uns de vos premiers legs pour améliorer le réseau de diligence. Cela augmentera le nombre de héros disponibles à l'avenir. LT puis d'accord. Ah d'accord.
Passe à 3 le nombre de héros disponibles. Passe à 13 la capacité de liste de recrues. Et recrues expérimentées, future, ça veut dire que devient des recrues expérimentées. Donc on va faire d'abord ça. Et ça après c'est bon. Embarquement. Vous ne pouvez pas faire grand chose de plus en ville. Il est temps d'embarquer pour une quête. Appuyez sur le stick analogique droit pour embarquer. Voilà ça. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ah, c'est les cinématiques. D'accord. D'accord, ça c'est quoi? Cimetière. Most will end up here, covered in the poisoned earth. Awaiting merciful oblivion. Ah bah oui, c'est sûr. Eh. Bon bah on va partir, ok. Mecca of madness and morbidity. Your work begins. Ouais. Quête et groupe. C'est ici que vous choisissez une quête et formez un groupe d'aventuriers de 4 héros pour la commencer. Choisissez les quêtes avec le stick analogique gauche pour voir les détails. Nanana, placez le héros dans les emplacements en bas, nanana, ok. On va faire ça là. Oui. Non. Non. Alors toi, viens là. Toi, viens là. Viens là. Est-ce que je peux pas regarder mes héros en fait? J'aimerais en savoir plus sur eux. Non. Je vais pas regarder ça. Non. Non. Info. Non. Je voulais savoir en fait mes héros, comment ils étaient, qu'est-ce qui. Ah, c'est X, pardon, voilà. X, alors, il a quoi, notre petit Gadjo? Arrête. C'est bon, je peux bouger, merci. Alors, il a donc ça. Après, plus tard, il pourra débloquer ça. Compétence passive de campement. Encourager, donc, un compagnon. Donc, il enlève le stress d'un compagnon. Il enlève 15, il retire les malus de mortalité. Moins 15 de stress sur le groupe. Tous les compagnons dégagent de stress. Stress moins 15 points, d'accord, pendant 4 combats. Ok, d'accord. Donc, alors, attendez. Lui, il préfère être placé devant, je suppose. Placement préféré devant, c'est ça. Voilà, faut que tu sois premier ou deuxième pour tout le temps attaquer. D'accord. Ça, va falloir qu'on apprenne à s'en servir. Donc, lui, il préfère être au milieu, mais pas dernier. Alors ça, quoi, troisième, pour le coup de couteau. Donc au pire, je pourrais le poser en troisième. D'accord, donc lui, il faut que je le place en troisième. Donc c'est le croisé, en deuxième sûrement, la Vestale. Toi, t'aimes bien être en troisième aussi, merde. Ah, pour ton fameux coup de couteau, mais c'est pas grave ça, si t'as pas le coup de couteau, on s'en fout. C'est pas grave si t'as pas le coup de couteau, au moins si tu peux faire le gaz aveuglant, la grenade. Merde, t'as pas le heal. Ah, il a pas le heal, le Kono. Ah. Là, on a pas de chance, là. Il va falloir compter sur elle. Et elle, par contre, elle kiffe être en troisième et déteste être en deuxième. Par contre, ça, c'est pas bon. Ouais.
en un souci. Parce que son heal. Faut qu'elle soit dernière elle. On a un souci sur les places en fait. Ok, donc si ça fait. Alors attendez, faut que je les place. Comme ça, voilà. Comme ça ils seront bien, normalement. Toi premier, toi deuxième, toi dernier, toi troisième t'es la hileuse. Voilà. The cost of preparedness measured now in gold. Alors. Later in blood. Alors, provisions pour le voyage. Il vous faudra prendre différentes provisions en fonction de la région dans laquelle vous voulez vous rendre. De la longueur de la quête et de vos préférences personnelles. Mais assurez-vous de toujours emporter de la nourriture et des torches. 8 unités de nourriture et 4 torches. 8. 4. 5. Une pelle. Quoi ça ? Antidote. Bandage, RPC. Vite. On va partir comme ça. Je vais pas prendre tout ce qui est passe-partout, tout ça. Ça va m'emmerder. Pour le moment. Et de l'argent pour rien, perdu. Bon. Est-ce qu'on n'est pas un peu chaud ? Aïe. J'ai mal au pied. Je suis positionné n'importe comment. Même pas assis sur mon canapé. Trop devant la télé. Et à la fin de ce donjon, on coupera la vidéo. Ça fera une belle vidéo. Et j'espère pas trop fail dans le donjon. Parce que si je fail, bah par contre, bah tant pis pour moi. Pardon. On avance. Ah merde, il y avait une torche neuve. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. C'est de regarder s'il n'y avait pas des pièges au sol en fait. Ah. Yes, mort vivant. Ah bah oui, il est tout derrière. Merde, putain. Il est étourdi. Il est étourdi. Illumination. Confidence surges as the enemy crumbles. This advantage. Give them no quarter. Oh, c'était bon ça. Non, allez, c'est lui. A handsome reward. Ah, super. For a task well performed. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Combat. Combat. Ah, il a résisté au poison. Mince. Mais j'essayais vraiment de les empoisonner. Je n'aime pas le dernier, il est chiant. Faire baisser mon sac. La lumière, ça fait les voies de torche affectent fortement un grand nombre de mécanismes dans le jeu. Plus il fait sombre, plus les choses se compliquent. Mais meilleures sont les récompenses. Choisissez une torche dans l'inventaire et appuyez sur le. Ah, pour allumer la lumière. Attendez. Ah! Ah, le critique! Il y avait une touche normalement. Ça devrait aller. Acte de foi. Maintain the offensive. Soin. Ça passe. Il travaille. Continue the onslaught. Destroy them all.
Ah, il est infecté par le poison. Esquive. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Bah on s'en sort bien, je suis content. On va reprendre une petite torche. Une petite torche tron. Alors là on a deux choix. On va passer par là. Yes. Yes, yes, fais attention. Du faillage, parce que ça fait pas mal de dégâts à tout le monde. Si on arrive à l'infecter, c'est parfait. Jugement. Ah ça, la heal en plus, le jugement, c'est cool ça. Ah mince. Carreau d'arbalète, c'est mal ça. Ah mais non, mais t'as de l'attaquer elle, t'as rien fait. Hein. Jugement. Les un hérétique. Oh, pas mon médecin, pas mon docteur peste. T'as rien fait. Le sang est un type spécial d'objet de ravitaillement. Toute bouteille de sang collectée sera retenue dans votre domaine à la fin de la quête. Elles peuvent être ajoutées aux provisions des groupes se lançant dans une quête. Le sang est rare. Distribuez-le judicieusement à ceux qui en ont besoin. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sang? Je vais prendre la claire pour y toucher. Personne de foi. Il y a un piège au milieu, il va falloir que je fasse attention. Les pièges repérés seront visibles au sol lorsque vous pouvez en approcher. Sélectionnez un héros puis appuyez sur la touche A près du piège pour essayer de le désamorcer. Lorsque le héros est à portée d'un piège ayant été repéré, une icône s'affichera dans leur barre de statut. Certains héros sont meilleurs que d'autres au désamorçage. Je me suis bien dit que le bandit s'y connaissait en piège. Je vais rallumer les torches. Parce que je n'aime pas être dans le noir. Et on continue. C'est l'éclat d'une pièce que je vois. Ah oui, c'est vrai que monsieur aime beaucoup l'argent. Donc dès qu'il voit de l'argent, il va sauter dessus. Manger. J'ai prévu ça exprès. Il n'y a rien dans la pièce. Quel est ce maléfice? Bien joué, j'ai bien fait d'acheter des pelles. Je suis entré dans la pièce comme ça, sans tort. Surpris. Oh là 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 là, mon nom. Ah, eux ils sont chiants. Eux faut leur faire très mal. Mais attends, je voulais changer, voilà. Merci. Merci. Docteur Peste, oui. Tu vas me faire un coup là. Oui. Résister au saignement, c'est pas grave. Illumination. Ah non, elle devait changer de page. Oula, il a esquivé. Such a terrible assault cannot be left unanswered. Oui, tu changes. Oui. Toi, tu changes avec lui. Objet de tentation. Qui me baisse, qui augmente beaucoup trop ma. Comment ça s'appelle? Ma.
ma peur, enfin le, oui, le, la barre en dessous de la barre vide de vie, c'est ça compte comme la peur. Non. Affection. Yes. Tout change avec moi. Merci. The slow death. Super. Unforeseen. Unforgiving. Étourdi. Yes. Et empoisonné. Il a un bonus par contre, c'est pas une bonne idée. Soin. The wounds of war can be healed, but never hidden. Super, yes. Encore plus de poison. Encore plus de poison. Illumination. Ah, il a esquivé l'illumination. Change avec le croisé. Chaos d'arbalète. Ah, esquive, super. You are a narratex. Mitraillage, parfait. Parfait, parfait. A trifling victory. But a victory nonetheless. Il était piégé et lui se bouge tous les pièges. On s'enfuit. Bon, on enchaîne les succès. Première d'une série de victoires. Donc voilà, on avait des objets en trop, donc on les a récupérés. Résistance à maladie plus 20% esquive moins 2. Ça, c'est un mauvais truc. Avoir des bonus malus. Ah, super. Yes, pas top. Compétence au corps à corps, dégâts moins 5%. Dégâts de stress plus 15% contre les monstres d'horreur. Donc les ghouls, tout ça. Et précision moins 10 contre les ghouls. Compétence à distance, précision moins 5. Connaissance de la clique. Probabilité de repérage plus 10% dans la clique. Mauvaise conscience, toute morale causée par des faits réels ou imaginaires. Et morale de fer, probabilité de vertu plus 5%. En fait, quand il y a la barre qui est en dessous de la vie, là, qui est à fond, en fait, on a une chance sur deux de où le mec. A family name once so well regarded is now barely whispered aloud by decent folk. Donc, où elle est. Comment dire ? Elle a une chance de ou de partir en déprime et donc le mec il va avoir un effet négatif qui va gêner toute l'équipe et lui aussi. Ou il va avoir un effet positif qui va pouvoir aider tout le monde. Donc on a débloqué. Ah, faut qu'on aille voir la diligence. Ah, on a des nouvelles personnes intéressantes là. La pilleuse de tombe. Je préfère être en dernière position par contre, ça c'est pas top parce que c'est une lanceuse de dagues. J'aurais préféré qu'elle soit en... Ah oui, donc d'accord. Soigne de saignement et infection, ouais, donc elle se heal. Fléchette empoisonnée, d'accord. Elle peut remplacer par exemple 10 masses. D'accord. Lui, par exemple, il peut remplacer, par contre, notre croisé. Ça, c'est cool. Collecter les primes. Hypercute. Grenade aveuglante. Coup de grâce. Viens plus près. Ah, ça, c'est cool. Faudrait qu'on arrive à la débloquer, ça. Marque de mort. Le come over here. De scorpion, il est cool. Bon, alors, par contre, on voit lequel... Ah, lui, il l'a, par contre. Zoophobie. D'accord, ouais, mais ils ont et luminophobie. Elle a peur de la lumière. Et elle, ah d'accord, ok, super, elle baisse les bras. En ville, fréquente uniquement la maison close pour déstresser, d'accord. On va prendre lui, qui a l'air cool. The thrill of the hunt.
The promise of payment. Donc le bar. Fresh kegs, cards and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Les héros réduisent leur stress en participant à des activités à la taverne et à l'abbaye. Chaque activité a des effets secondaires différents. Expérimentez pour trouver la meilleure activité pour chaque héros en fonction de ses attributs. Assignez un héros à une activité et le verrouille dans cette dernière jusqu'à la semaine suivante. Donc partir avec un autre héros. D'accord. Par exemple, c'est l'abbaye là-haut, c'est ça ? The cobwebs have been dusted. The pews set straight. The abbey calls to the faithful. Il n'y a pas un hôpital encore parce que l'autre il s'est un peu blessé quoi. La guilde, d'accord. Ah oui, donc non. In time, you will know the tragic extent. Qui me dit où j'en suis ? Est-ce que je débloque la semaine d'après ? Non. Tu me dis pas ce que je débloque en fait. Tu me dis juste ce que je vais avoir, enfin ce que j'ai déjà eu. D'accord. Ok, donc on va faire start, sauvegarder, quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, aller voir nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne IG Family, et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.